Camille, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce nouveau circuit qui a débuté ici à La Baule ? Alors, on a deux étapes, donc une ici à La Baule et une deuxième qui se passera à Lyon, si tout va bien, mais normalement c'est bon. Donc c'est 10 cavaliers français et 10 cavaliers étrangers, donc du reste du monde, on va dire. Après, moi j'ai la chance de pouvoir le faire, alors que normalement c'est les moins de 25 ans, plus axé sur le passage de jeune cavalier à senior. Donc à peu près 21 ans, 25 ans. Moi j'arrive là, j'en ai que 17, donc je suis la plus jeune. Mais bon, c'est quand même sympa de m'ouvrir ces portes-là, et surtout sur des terrains comme celui-ci. Justement, qu'est-ce que ça représente pour toi La Baule, et qu'est-ce que ça fait de monter sur cette piste en herbe ? Bah, c'est toujours sympa, La Baule, c'est un terrain assez mythique. Et venir là et je vais monter sur le terrain où tous les autres vont faire la Coupe des Nations, parce que bon, les Coupes des Nations, c'est un truc que je connais, pas à ce niveau-là, mais bon, tout est proportionnel. Et donc, se dire qu'on est là et qu'on a la chance de pouvoir monter sur le plus beau terrain, enfin, un des plus beaux terrains, c'est assez magique, et c'est sympa de nous ouvrir ces portes-là. Surtout que je crois que ça réussit plutôt bien à Pirol, puisque ce matin, tu fais partie du trio de tête. Explique-nous comment ça s'est passé. Alors oui, ce matin, je finis troisième de l'épreuve, donc je suis assez contente. La jument a bien sauté, j'ai fait un paddock assez moyen, donc arrivé en piste, j'étais pas très rassurée. Finalement, j'ai fait un bon début de parcours, deux, trois petites erreurs sur le reste de mon parcours, mais bon, je suis assez contente dans l'ensemble. Du coup, si le circuit se poursuit, l'objectif, c'est aussi de participer à l'étape de Lyon ? Oui, bien sûr, l'objectif c'est Lyon. Après, normalement, je pense que ça risque d'être les mêmes cavaliers. Après, on verra bien, mais je pense que c'est bien parti pour aller à Lyon. Super, merci beaucoup.